Bonjour à tous. Bon, bah, j'ai reçu des points comme quoi j'avais perdu contre un tricheur. Donc, j'ai reçu des points de la part du site. Là, je viens de recevoir le message. Voilà, je refais une partie. Donc, j'ai des noirs. Ça va être soit une Nimzo, soit une Ragozine. J'ai déjà joué contre lui, alors je m'en souviens pas. Mais j'ai déjà joué deux fois contre lui. On y va. Je me rappelle plus de mes parties, quoi. Je me souviens de son nom, mais. Dame C2, donc j'avais joué Rock. Enfin, dans les parties que j'ai jouées dans cette ligne. C'est joli le petit sigle, alors il paraît que c'est quand on donne. Quand on cotise sur l'e-chess, on a ce petit signe-là. C'est assez impressionnant, ça fait un petit aigle, quoi. Hein? Voilà, alors sur ça, la dernière fois j'avais joué D5 pour avoir une espèce de mauvaise ragosine. Et là, du coup, j'ai envie de tester la ligne avec C5 qui doit être la ligne principale. Parce que du coup, comme il a affaibli le pion D4, ben, C5 c'est beaucoup plus logique. Et si je dis pas n'importe quoi, maintenant c'est cavalier A6. Qui m'a l'air logique. Ou dame A5, mais plutôt cavalier A6. Ouais, et là normalement il faudrait prendre ici. Et jouer un truc du style qui avait prend C5 hein, si je pense hein. À moins que ce soit du dame A5, mais j'en doute. Dame A5 ça m'a l'air idiot. Fou prend C5 ça m'a l'air idiot. Donc par élimination c'est ça. Et là, par élimination, faut pas donner le pion. Ça va être la théorie, hein. Il a l'air content de lui. B6, fou G2, fou B7. Je pense qu'il faut réagir au centre ici, hein. Faut être précis là un petit peu quand même. Cavalier E4 quelque part ou pas? Alors il y a un problème sur cette case, mais il va me jouer B4 si je l'embête. Je peux faire du dame B6 et sur B4 cavalier E4. Il me fera dame E3 du coup, dame D4. Ça doit être bien pour lui, c'est final. Encore que. Si je le chasse, cavalier E4, on va dire, est-ce qu'il peut me faire dame C2 simplement? Pour jouer B4. Si, le coup normal ce serait cavalier là, mais. Ou D5. D5, puis on prend D5, cavalier CE4, un truc comme ça, vous voyez. Dame C2. Et là, dame A5 échec. C'est un truc où je dois gagner de la case C3, je pense. Faut lui provoquer B4 quelque part. Non, D5, c'est normal. C'est soit D5, soit B6, fou G2. Et là, fou B7, je dirais. Petit roque. Tour C8, mais ça m'a l'air trop lent. Non, je pense qu'il faut jouer D5, prise qui a CE4, un truc comme ça. J'essaye. Ou D5 d'abord, je sais pas. Prise, peut-être. Ça, c'est pas mal avec B3. Hein. Faut m'assurer qu'après qu'il y ait B3, je perds pas tout de suite. Hein. Enfin, ça me semble pas mal. Allez, on y va. Ah, c'est ça le problème. Quand on connaît pas la théorie et qu'on a une position théorique comme ça, bon. Je suis désolé de réfléchir, mais. B6 fou B7 sinon, hein. B6 fou B7 c'était pas idiot. B6 fou G2 fou B7 roque. Mais non, peut-être D5, je sais pas, c'était aussi intéressant. Mais j'essaye de jouer sur le fait qu'il est. Il a pas roqué, donc j'ouvre un peu la position. Maintenant il a la paire de fous, donc. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pas roqué, donc j'ouvre. Il a la paire de fous, donc normalement je dois pas ouvrir, donc.
Je suis un peu dans un dilemme. Alors là, il réfléchit, donc ça doit être théorique, oui. Alors attention, est-ce que là, il n'y a pas du... Il n'y a pas du rififi. Cavalier C4, Dame C2, D prend C4, Dame prend C4, et là est-ce que j'ai pas un truc du style Dame A5 échec? B4. Et là Dame D5. Pour essayer d'avoir la case C3. Sinon j'ai B6, Roque fou A6. Prise en D5, fou prend. Non, il y a le cavalier qui sera attaqué. Plusieurs coups ici, hein. J'ai cavalier F4, Dame C2, D4. Mais là, il y a simplement petit roque, D3, prise, Dame prend peut-être. Un truc comme ça. J'aime pas ne pas avoir sorti mon fou. Ah, j'ai cavalier F4, Dame C2, fou D7. Menace fou A4. Ça, c'est pas idiot non plus. Enfin, est-ce qu'il peut pas simplement jouer de B3? B3, j'aurais. Dame F6, fou B2, simplement. Du coup, je prendrais en C4, il prendrait. Ça c'est pas débile hein. Ouais, j'ai envie de jouer ça, je vais jouer l'initiative. L'autre coup c'était comme je vous ai dit tout à l'heure, cavalier CE4, il vient par exemple en C2, je prends, il prend, dame A5 échec, B4, ce genre d'opposition, dame D5, peut-être c'était plus simple hein, pour moi. Là j'ai envie de jouer plus agressif. Alors je sais pas si ça marche par contre. Hein. J'espère pour moi que ça va marcher parce que sinon. Alors, ce que je me dis c'est qu'au pire je vais lui faire A5 A4. Hein. Bon Dame C2, qu'est-ce que je joue sur Dame C2? Est-ce que je joue fou D7, B3, D prend C4? C'était ça mon idée du départ. Mais faut que je regarde si je perds pas du matériel. B4, fou A4. Avec les menaces en D1. Non, je perds pas de matériel. Donc Dame C2, fou D7, B3, D prend C4, c'est bien pour moi normalement. Donc sur Dame C2, fou D7, il faut qu'il joue cavalier D4 plutôt. Et là j'ai peut-être du E5. Ouais, c'est pas idiot. Alors peut-être il doit me jouer plutôt Dame D4. Non, Dame D4, c'est qu'il y a B3, peut-être Dame là. Il y a A5. Donc Dame E3. On va y arriver. Hein. D prend C4. C'est pas si simple. Dame C2, fou D7, parce que moi je vois des cases faibles ici. C'est très concret hein, comme calcul. Dame C2, fou D7. Bon, je vais le jouer vite, dans le doute. Et parce que j'ai tour C8 qui arrive. Alors j'espère que j'ai pas trop mal calculé. Maintenant, j'ai pas vérifié mon calcul, mais sinon j'aurais été à 2 minutes 30. Donc est-ce que B3, j'ai envie de faire D prend C4. Hein. Je joue tout sur le tempo. Alors ça se trouve, c'est pas grave du tout pour lui. Hein. Ça se trouve, il fait juste Dame prend. Et je me dis que j'ai peut-être tour C8, mais s'il me fait petit roque, j'ai peut-être pas de découverte, vous voyez. Donc c'est peut-être plus grave que prévu pour moi. A priori, c'est B3 le coup. Il faut qu'il empêche fou A4. Et sur Dame F6, il y a fou B2. Alors j'ai des coups rigolos. Hein. Maintenant, je sais pas si ça marche. B3, pion prend, Dame prend, fou B5.
Il prend cavalier C3, menace mat. C'est rigolo ça, non? Alors, on va voir si je suis complètement à la masse tactiquement ou pas. Je pense pas, je pense que ça marche. Mais... Après, il n'est pas obligé de prendre en B5. Hein, mais bon, après, s'il m'active toutes les pièces, on va dire que ça peut être très risqué pour lui. En plus, sur dame prend C4, j'ai souvent du dame F6, même s'il aura peut-être dame D4. Allez, on essaye. Dame F6, dame D4, ça c'est intéressant aussi. Hein. C'est intéressant avec K prend B3. Dame F6, dame D4, j'ai K prend B3. Donc sur cavalier D4, j'ai aussi cavalier prend B3 ou pas? Il me semble que je l'ai aussi. Non, parce que là il y aura cavalier prend. Non, il y a dame prend F2. Ok, donc dame F6, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il va me faire tour B1. Parce que sinon, j'ai fou B5 aussi. Fou B5, dame C2. Dame D5. Allez, j'ai envie d'essayer. Il est obligé de jouer dame C2. Et là, j'ai même peut-être tour C8. Oh, cavalier D3, un truc comme ça. Dame D1, cavalier C3. J'ai envie d'essayer ça. Donc dame C2, tour C8, roque. J'ai même peut-être... Ouais, cavalier D3 m'a l'air pas mal du tout. Donc il va me jouer dame D1 par exemple, ou il est obligé d'aller sur une case où je peux faire cavalier C3, dame B1, cavalier C3, dame D2, cavalier prend C1. Allez, je lui tente là, hein. On est là pour s'amuser. Hein. J'essaye vraiment de jouer contre le roi hein, depuis tout à l'heure. Moi, on m'a appris que contre le roi restait trop au centre, pouvait y avoir des problèmes tactiques. Et du coup, là, il peut y en avoir. Et là, c'est cavalier D3, le coup sur lequel je compte. On va voir si je... Il y a encore un peu de calcul en moi. C'est intéressant en tout cas, hein. Je trouve que la partie est très intéressante. Parce que je joue vraiment contre... Il a un avantage à long terme avec sa paire de fous, son fou G2 qui est fort, mais moi à court terme, bah, il avait un problème de roi. Donc j'essaie vraiment de jouer là-dessus depuis tout à l'heure. Donc ça me donne des thèmes tactiques, vous voyez. Mais après, faut être virulent dans l'attaque, quoi. Faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur de sacrifier du matériel. C'est intéressant. Là, je pense que j'avais d'autres coups, hein, vraiment des coups intéressants. Ici, par exemple, dame D5, quoi. Alors je sais pas s'il y a des coups comme cavalier D2, et après, j'aurais peut-être du dame D4, mais dame prend F2 et dame prend A1. Et ici, dame D5, c'était vraiment intéressant. Attaque le pion B3. Alors, est-ce qu'il peut me jouer? Il aurait pu me jouer cavalier, enfin tour B1. Je sais pas. Peut-être cavalier D3 échec après. Il faut que je me méfie quand même. Il y a du cavalier D2 qui arrive. Mais donc, dame D5, à mon avis, c'était une très grosse alternative. Alors ça, j'ai pas du tout regardé. J'ai envie de vous dire, mais là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, il peut pas jouer comme ça. Est-ce que je prends là ou... Si je prends là, il va me faire tour E1. Si je joue Ke C5, il va me faire quoi? Fou E3. Ke prend B3, tour ici.
je prends là. Les pions, je les prends. Hein. Ok, c'est 5 du coup maintenant. J'aurais pu laisser son pion hein, qui lui bloque la colonne D. Je sais pas si j'aurais dû prendre ce pion là. Ici, là, j'aurais pu jouer KC5 tout de suite, qui était probablement nettement mieux pour moi, mais bon. Ah, il la donne un peu facilement, sa tour, sa dame. Tour et pièce contre dame de pion, ça me semble. Bon, à court terme, il va peut-être avoir des pièces mieux placées, parce que ma tour joue pas, mais. Il a la paire de fous, bon. Et je pense que je vais lui faire un bon blocus à un moment donné. Alors, oui, alors si je joue B5, il aura peut-être KD 4, KC 6, bon. Si je fais qu'il prend B3, prise dame C3, tour 1, dame prend B3. Et alors? Ça marche pas ça? Moi je crois ce que je vois. Hein. Prise dame C3, qu'est-ce qu'il fait exactement? Peut me faire tour E3, dame prend B3, fou F1. Là je fais tour D8. C'est de gagner pour moi ça. Après, je me décloue le coup d'après. Obligé, hein, je vois pas d'autre coup pour lui. Obligé de me faire tour E3, dame prend B3, fou F1 ou fou E4, et là je joue tour D8. Normalement, ça gagne. Enfin, je pense. Alors là, si j'arrive à lui mettre un fou en D5, c'est fini. Si j'arrive pas et qu'il arrive à tout me rentrer les tours, les fous, bon peut-être il peut avoir du contre-jeu, mais je pense que ça devrait gagner. Techniquement, ça doit gagner hein, quand même. À moins que je le rate une pièce quelque part. Parce qu'en plus, il a même pas de tour A2, tour B2, tour prend B7, parce que tour A2, dame prend B3, tour B2, je fais dame C3, j'attaque toujours une des tours, quoi. Non, non, ici le seul truc où je peux pas attaquer de tour, c'est probablement dame C3, dame prend, fou F1. Et encore, j'ai peut-être dame C3. Si, dame C3 gagne. Tout de suite, même. C'est même plus fort que mon tour D8. Ouais, il doit jouer ça. Ouais, c'est un peu miteux quand même comme gain pour lui, hein, ça. C'est pas trop ce qu'il a envie de faire. Est-ce que je lui joue tour C8 maintenant? Je vais lui jouer B5 ici, hein, je pense. Et ensuite, fou C4, et après, je m'occupe de lui échanger des trucs. Peut-être j'aurais dû jouer tour C8, mais j'aime pas avoir un pion B7 qui traîne. Tour E3, j'ai de main Nantes, j'ai dame C4 par exemple. Voilà, ça j'aime bien. Et là, H5, j'ai envie de faire. J'aime pas laisser des mats non plus. Je vais tenter de lui faire tour C2 du coup et dame C4. Parce que après tout, s'il m'enlève pas mon fou, autant que je le laisse. Hein. Ça reste technique quand même. J'ai un pion. Ouais, bon, j'ai un pion et dame contre tour et fou. Donc oui. Là normalement il faut que je joue dame C4. Ah, dame C4 c'est pas le coup du siècle. C'est pas du tout le coup du siècle. À cause de tour D1. Et tour C3. Alors peut-être sur tour D1 j'ai fou C2 ou quelque chose comme ça. Fou C2. Ouais, c'est fou, je joue un truc comme ça.
Sur tour C3, je prends D1. Non, il a encore des arnaques, hein, avec tour C3 et tout qui arrive. Si, il faut que je fasse gaffe, hein. Oui, parce que mes pièces sont pas trop connectées, quoi. Tour C1, est-ce que je peux faire dame là? Non, non. Il faut jouer ça. Et tour E2, c'est peut-être pas si grave à cause de tour C4. Il peut pas prendre à cause de dame D1 à la fin. Faut me faire tour E2 ici, mais. Tour E2, tour C4, j'ai envie de jouer. Hein. Tour D2. Dame B2, échec, roi là. Est-ce que j'ai pas Dame B2 du coup? Si je joue ça un moment. Check. Check. Et là, là, faut que je joue G5 normalement. Roi H7. Faut que je joue roi G6. Je vais jouer F6 plutôt. Est-ce qu'il veut me faire tour C5? Check. Et roi dame E2. Ça doit gagner, mais ça reste technique, hein. Je vais gagner probablement grâce à mon pion que je vais avancer. Je lui mets tous les pions sur case noire. Parce que. Attendez. Je vais d'abord lui faire roi G6. Faut empêcher fou F8 et tour C7. Échec. E5. Voilà. Je mets tous les pions sur case noire parce que c'est la couleur du fou, ça va le gêner. Sa seule entrée, c'est ici. Donc voilà. Je vais lui faire un petit échec là. Un petit dame là. Je vais pas lui laisser toutes les cases qu'il veut, quoi. Maintenant, un petit roi là. C'est important d'amener le roi, je pense. Est-ce que je peux aller là maintenant? Y a pas de maths, hein. Check. Il est pas content de me jouer F3, je pense. S'il doit me jouer F3, il va pas être content. Et là, j'ai pas ça là. Échec. Pas un petit problème là? Ça c'est le genre de coup chiant parce que roi E1 il y a dame C1. Sans Zeichnot c'est horrible. Ouais, et là c'est ça. Vous voyez le coup de Zeichnot, dame C4? C'est pour ça qu'il faut avoir du temps dans les complications. Voilà.
Parce que dame C4, en fait, si je lui faisais roi G4 tout de suite, il me faisait roi E1. Échec, il s'en allait. Donc j'anticipe roi E1, et il peut plus se déclouer tout à coup. Il peut pas me faire F4 ou F3, il y a roi prend G3. Et au prochain coup, je menace simplement ça, il peut plus se déclouer. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain.